siècle. La course a lieu dans les rues de Monte-Carlo sur 3,2 km et 19 virages. Et même si la vitesse moyenne de 150 km/h est la plus faible du calendrier, la marge d'erreur est si réduite que la voiture de sécurité est souvent de la partie. Je suis rejoint aujourd'hui par Nicolas Martin qui va tout nous dire sur la course du jour. Commençons avec Alfa Romeo. La réglementation en matière d'aérodynamique a été modifiée cette année et d'après les premières indications, on n'a pas vraiment l'impression qu'il se soit adapté à ces changements. La situation n'a pas l'air radieuse pour l'instant. Si la nouvelle réglementation les a affectés autant qu'on le pense, ils risquent de passer quelques nuits blanches à l'usine pour rattraper ça. Tu es dans les 10 premiers, continue comme ça. On a perdu une place, on est descendu d'une place. Le DRS va être autorisé dans ce tour. Tu peux l'utiliser si tu as moins d'une seconde d'écart avec la monoplace de devant dans la zone de DRS. Thank you.
Tu creuses l'écart de 5 dixièmes par tour avec la voiture de derrière. L'écart avec le pilote de devant est de 2,4 secondes. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Bon, c'est terminé. Fais attention à la monoplace sur le chemin du retour. C'est une victoire grandiose qu'il a décrochée aujourd'hui à Monaco. Il peut être très fier de sa performance. Nicolas Martin, qu'est-ce qui, à votre avis, leur a permis de faire la différence aujourd'hui ? C'était une véritable victoire d'équipe. Ils ont élaboré une stratégie parfaitement adaptée aux conditions du circuit aujourd'hui. Le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui au moment où il le fallait, et il a suivi le plan à la perfection. Un exemple brillant qui montre bien que la F1 est un sport d'équipe. Et c'est Red Bull qui remporte cette course grâce à une maîtrise incroyable de son pilote. Ils ont fait beaucoup d'efforts ces derniers temps pour rester compétitifs face aux autres écuries, et ça a payé aujourd'hui. Regardons rapidement l'évolution du classement des pilotes. Max Verstappen doit être ravi de sa performance, il creuse encore l'écart au sommet du classement. Nous avions une belle brochette de talents en piste aujourd'hui, Nicolas, mais qui choisiriez-vous comme pilote du jour ? Pour moi, c'est Pelletier. Ils ont géré les pneus à la perfection sans sacrifier la vitesse. Ce n'est certainement pas donné à tout le monde dans la Formule 1 moderne. Le moment est venu de voir ce qui se passe au classement des constructeurs. Red Bull prend le large au classement. Je suis à la fois épuisé et comblé par ce week-end de Formule 1, mais je vous donne déjà rendez-vous pour le prochain.